C'est bon, tout est prêt, c'est parti, ça tourne. Et bien salut à tous, c'est Dodo Info. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous dire toutes les nouveautés sur ce LG G6. Donc dans cette vidéo on va parler du design, des caractéristiques, de son prix, de sa disponibilité, etc. Donc c'est parti. Pour commencer, ce LG G6 n'aura plus la partie modulable comme on avait sur le LG G5. Vous savez, sous le LG G5 on avait un petit bouton d'éclipser et on pouvait mettre une batterie, on pouvait transformer son téléphone en appareil photo, tout ça. Donc ça s'appelait les LG Friends. Et donc là, sur ce G6, ça n'y est plus. LG a complètement stoppé ces parties modulables. Et moi, je suis vraiment d'accord parce que vraiment, ça ne servait strictement à rien. Le LG 6 devrait bénéficier d'un design légèrement différent du LG 5 comme matériau du métal. Et donc, ça sera plutôt réfléchissant. Pour les caractéristiques de ce LG 6, on aura un écran de 5,7 pouces. Pour la définition, on aura du 2880 par du 1440 pixels. Pour le processeur, on aura le Qualcomm Snapdragon 821 cadencé à 2,4 GHz. Donc on y reviendra après parce qu'il y a quelques problèmes au niveau de ce processeur. Pour le système d'exploitation, on aura Android 7.0, donc la version Nougat, avec la surcouche de LG UX. En mémoire vive, donc la RAM pour certains, on aura 4 Go. Pour la mémoire interne, donc la mémoire flash, on aura du 32 ou du 64 Go. Et si vous n'avez pas assez de Go, on aura la possibilité de rajouter de la mémoire externe via une micro carte SD. Pour l'appareil photo arrière, on aura deux capteurs de 13 mégapixels avec une ouverture 1.8, donc une ouverture d'un angle à 71 degrés. Et pour le deuxième objectif, on aura une ouverture 2.4 avec un angle de 128 degrés et une stabilisation optique de l'image. Pour l'appareil photo frontal, on aura 5 mégapixels avec une ouverture 2.2. Pour les connectiques, on aura l'USB type C, donc c'est le tout nouveau connecteur, l'USB type C, comme ça on a plus besoin de savoir de quel sens il faut mettre le téléphone, ça charge plus vite, il y a plus de sens, ça se branche des deux côtés, et franchement c'est pas mal parce qu'aujourd'hui c'est le nouveau connecteur qui va venir dans l'avenir. Ça, c'est un beau rime. Et LG a gardé aussi l'entrée jack, donc la fameuse petite entrée que tout le monde se sert aujourd'hui toujours. C'est là où vous branchez vos écouteurs, vos casques, tous vos petits accessoires où on peut écouter de l'audio. Donc ça c'est très bien de la part de LG, je les remercie. On aura une batterie de 3300 mAh non amovible et le Quick Charge 3.0. Il sera résistant à l'eau, donc qui dit résistant à l'eau dit IP68. Et pour le poids, donc ça peut intéresser certains d'entre vous, le téléphone fait 163 grammes. Le LG G6 serait le premier smartphone à embarquer Google Assistant. Malheureusement, cet assistant n'existe qu'en anglais et n'est pas encore disponible en français. Donc ça, c'est dommage. L'appareil dispose d'un système quad DAC 32 bits, c'est un peu compliqué à dire. Donc c'est le nouveau système audio de chez LG et franchement, ça envoie du lourd parce qu'on a vraiment une très très bonne qualité au niveau du son. Donc on va revenir sur la partie processeur, donc sur le Snapdragon 821. Pourquoi ce LG G6 embarque le Snapdragon 821? Car Samsung a acheté la totalité des processeurs de chez Qualcomm et donc on retrouvera très peu de différence et de fluidité sur ce LG G6. Et pour finir, on va parler de la disponibilité et du prix. La sortie de ce LG G6 sera annoncée le 9 mars 2017 pour la Corée du Sud. Donc pour l'Europe, il va falloir attendre quelques semaines, voire un mois. Je ne sais pas encore la date, ils ne sont pas confirmés. Je vous confirme tout ça dans les commentaires de la vidéo quand je sais la réponse. Et d'après les rumeurs, le smartphone sera vendu dans les alentours de 769 euros. Verdict, LG veut regagner la confiance des utilisateurs et laisse une bonne première impression avec un joli design, un bon écran, un potentiel audio très intéressant et pour finir, une batterie d'une plus grande capacité et aussi de la résistance à l'eau. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit sur ce LG G6. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo le modèle de votre smartphone que vous souhaitez que je fasse. Et moi, comme ça, je sélectionne votre commentaire et j'en fais une vidéo. Donc mes amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo et d'aller voir aussi mes réseaux sociaux, mon site internet, de me contacter si vous avez un problème et aussi d'aller voir mes autres chaînes YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi, je vous dis à plus pour une autre Turfu vidéo. Salut!